D'abord, à l'époque, on ne savait même pas qu'il s'appelait comme ça. À l'époque, on connaissait son nom, publié sur la couverture d'un ouvrage qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Il s'appelait Martin Ingres. Ce livre, ça a été un best-seller. C'est quelle année, ça ? 71, écrit en collaboration, comme on dit... avec Max Gallo. Pudiquement, oui. Avec Max Gallo, en collaboration. Ouais. Ça lui a valu la gloire. Ça racontait quoi ? Et puis pourquoi ça lui a valu autant de détracteurs ? Déjà, le premier point, 30 millions d'exemplaires vendus. Forcément, ça fait des envieux. Forcément, il y en a quelques-uns qui s'attitillent. C'est une histoire forte, en fait, qui est arrivée à un homme qui est vraiment marqué par le destin. Alors, pour resituer le livre autobiographique de Martin Gray, on commence en Pologne, dans le ghetto de Varsovie, Seconde Guerre mondiale. Dans ce livre, rédigé, vous l'aviez dit, avec Max Gallo, il raconte sa vie, notamment la perte à deux reprises de la totalité de sa famille. Sa mère et ses frères gazés à Treblinka, son père tué au ghetto de Varsovie, puis une seconde fois, sa femme et ses quatre enfants dans l'incendie de leur ferme, dans le sud de la France. Alors, personne ne conteste, évidemment, que ces événements lui sont arrivés, mais beaucoup témoignent avoir d'ailleurs trouvé dans cet ouvrage la force d'eux-mêmes surnager, faire face à des événements similaires. A contrario, ses détracteurs se disent que quand même, il est à la fois le phénix de sa vie, mais aussi le héros de son livre, et ça chiffonne un petit peu. Vous allez voir des images qui datent de 1985, qui sont en fait des images issues du film qui a été tiré ensuite de Au nom de tous les miens. J'y reviendrai tout à l'heure. Dans Au nom de tous les miens, Martin Gray et Max Gallo ont voulu raconter en fait les grands événements de cette période sombre, et de fait, on retrouve Martin Gray sur tous les fronts, et c'est ça le souci. Le livre mêle fiction et réalité, mais les auteurs laissent en fait la confusion s'installer. Certains reprocheront à Martin Gray, comme je le disais, non pas d'être le héros de sa vie, mais surtout celui de tous les personnages fictionnels de son livre. Et Martin Gray, d'ailleurs, n'a jamais apporté vraiment un éclairage spécifique là-dessus. Il laisse planer le doute, hein, comme on dit. Et pour résumer, beaucoup ont pensé que ça faisait beaucoup pour un seul homme. Voilà, il endossait tous les rôles, et surtout celui de héros, et tout ce qui arrive à son héros dans le film est censé lui être arrivé à lui aussi. Même son père, qui meurt en fait dans le ghetto de Varsovie, il ne meurt pas en simple anonyme, non, il meurt à la tête de la rébellion. Ah oui. Bon, c'est allé loin quand même cette histoire, parce que certains lui ont reproché d'ailleurs de ne pas être allé à Treblinka. Il a dû produire des documents historiques pour dire « si, j'y suis allé, ce que je vous raconte est vrai ». Alors le roman a été adapté, je vous le disais, en téléfilm en 85, bien sûr porté par Michael York, que vous voyez ici, et Brigitte Fossé notamment. Il y avait Macha Merrill également, c'est Robert Enrico qui a réalisé le film. C'est une saga qui a été diffusée au Canada et en France à de nombreuses reprises. Alors après la guerre en 47, Martin Gray rejoint sa grand-mère à New York. Il devient antiquaire, et la légende là aussi dit qu'il revend aux Américains des antiquités qui n'en sont pas du tout. Il aime bien raconter sa vie, hein, finalement, ce monsieur. Ça, c'est une constante. Non, mais il l'invente ou il la raconte ? Parce que la raconter, ça, après tout, c'est pas mais, interdit. Il l'enjolive un peu. Il l'enjolive un petit peu, mais d'accord. Il dit « je suis antiquaire ». Enfin, j'ai surtout vendu des antiquités qui n'étaient pas des antiquités à des Américains qui pensaient qu'elles l'étaient. Dans les années 60, eh bien, il rejoint la France, s'installe près de Mandelieu, et là, second drame, vous avez vu les photos, une voiture calcinée qui résume le drame. Sa femme et ses quatre enfants décèdent, et il perd tout à nouveau. Il trouve encore la force de se relever, ce qui est assez inouï. Il écrit des ouvrages, les titres vous diront le contenu, la force de la vie, la force de trouver le bonheur, le courage, l'espoir, la vie renaîtra. Et effectivement, il a pris une part aussi de ces livres à son compte, puisqu'il s'est remarié, a eu de nouveau des enfants, 5 au total, et on pouvait dire qu'au moins jusqu'à vendredi, il était, à n'en pas douter, un phénix de toute évidence, ce monsieur. Merci beaucoup.